Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo à propos d'un truc vraiment à la con que voilà que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que le respect, comme je vous ai dit maintes et maintes fois, du respect, il y en a plus. Pour moi, du respect, il y en a plus. Du respect, ça n'existe plus. C'est fini, c'est cuit, c'est mort, c'est capote. Et ce qui se passe actuellement, c'est que bah voilà, le respect, il y en a plus, et surtout, on respecte plus rien. Bon, ça, je dis. Il y a quelques heures de ça, j'ai vu un truc que je trouve hallucinant. Alors, on va faire court, parce que moi, je peux pas vous expliquer en détail et tout. C'est que il y a quelques heures de ça, j'étais à Pithiviers, et à un moment, il y a un endroit, que c'est malheureux, mais c'est toujours comme ça. Il y a un endroit là, à Pithiviers que les bagnoles, enfin, je comprends qu'il manque de place et tout, mais les voitures se garent n'importe où. Bon. Alors, si c'est pour une urgence, je ne dis pas, mais les gens se garent n'importe où, pour aller faire un PMU, pour aller faire un truc et tout. Bon, il y a peut-être un manque de place, il y a un truc et tout. Mais le problème, c'est qu'ils se garent à des sorties de garage. Voilà l'endroit en question. Enfin, si vous voyez, l'endroit en question, c'est ça. Hein, c'est Faubourg d'Orléans, c'est quand on rentre dans Faubourg d'Orléans. Et à chaque fois, c'est le même truc. Bon, à chaque fois, c'est le même truc. Et tout ce quartier-là, là, tout ce coin-là, il y a des heures que c'est vraiment, voilà. C'est-à-dire que les bagnoles se garent n'importe où. Les gens, c'est déjà, c'est accidentogène, parce que franchement, des fois, moi je peux vous dire que quand on voit des trucs, des fois, on comprend pas ce qui se passe. Et derrière, on se pose des questions, voilà, bon. Moi, ce que je veux dire dans cette affaire-là, c'est que, regardez, je vais faire un petit peu le tour, je vais regarder. Voilà l'endroit. L'endroit le plus critique, c'est là. Voilà, c'est là. C'est cet endroit-là, c'est là que c'est le plus critique. Voilà. C'est cet endroit-là. Bon, excusez-moi de machin, parce que je tiens le téléphone, machin, à côté. Mais c'est cet endroit le plus critique. Alors, regardez ça. C'est là. Voilà. Tout ce coin-là, et voilà. C'est-à-dire que les gens se garent un peu n'importe où. Voilà. C'est-à-dire que toutes les places, là, vous voyez que je joue avec la souris, tout ce qu'il y a là, bon, c'est plein. Bon, voilà. Mais le problème, ils se mettent là, là. Là, regardez, là, il y a une entrée. Est-ce que je vais dire une chose très claire et nette? Parce que j'espère que la vidéo sera vue. Je vais dire une chose très claire et nette. Les mecs, là, hein, je ne veux pas une chose. Il y a une personne qui habite dans ce bâtiment-là. Personne qui habite dans ce bâtiment. Et ce matin, je ne suis pas intervenu, j'ai rien dit, machin. Mais si vous manquez de respect à cette personne, vous allez voir, moi, c'est. Je vais venir voir et moi, vous allez me respecter. Vous allez nous respecter. Voilà, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter un petit peu de prendre les gens. Parce que si une femme, si on ne la respecte pas, vous allez me respecter et vous allez nous respecter. Parce que je peux vous dire que ce matin, j'ai acheté un truc, il y avait une bagnole qui était là. Hein. Les mecs, ils étaient au troquet, bon, voilà, pour faire des juges, pourquoi et tout, et rien à foutre. Hein. Il y a une personne qui habite là, comme voiture, elle a une voiture grise, je sais pas ce que c'est et tout, hein. Je suis une Citroën, personne qui habite là, hein, c'est une femme. Si y a un manque de respect. Vous allez voir, je déboule, on va débouler, on va venir à plusieurs, et on va vous faire comprendre qu'est-ce que c'est le respect. Parce qu'à preuve du contraire, quand vos femmes, hein, vos femmes, vos épouses et tout, quand vous êtes machin, vous les respectez. Hein? Parce que moi, si moi j'ai toujours respecté les femmes, parce que je pars du principe que c'est le respect. Mais c'est pas parce que vous êtes les mecs là en bande, parce que là, c'est ça le problème. Là, vous êtes en bande, là. Il y a un attroupement qui est là, il y a un peu des mecs partout, il y en a qui sont là et tout, et que vous voyez une bagnole qui est bloquée, en plus que j'ai une femme, vous manquez de respect. C'est incroyable, c'est incroyable. Parce qu'ils sont garés partout, hein. Là, là, bon, bah là, c'est. Hein, mais ils se mettent là, devant là, là, partout. Et le problème, c'est que c'est accidentogène, parce que les voitures, quand ils arrivent de là, là, si c'est plein, voilà. Ce matin, la voiture que je vous dis, parce que c'est mon ami, elle était là, elle était bloquée, elle ne pouvait pas tourner, hein. Parce qu'il y avait une bagnole, un plus ambulance, hein, ambulancier, et tout était bloqué là. Là, c'était bloqué, là, j'en pouvais pas passer et tout. Et voilà. Alors, je comprends, à un moment ou à un autre, il faut arrêter, parce qu'il y a des gens qui disaient, oui, mais que fait la police? Mais écoutez, je pense que la police, c'est tout le monde, hein, ils assurent bien notre sécurité, parce que, voilà, hein, franchement. Et je pense qu'à un moment, ça, c'est un truc civique. C'est un truc civique. Est-ce que j'irais même plus loin? Un jour, mon ami était là en bagnole, hein. À s'égarer là ou là pour en double fil parce que son fiche pourquoi et tout. Elle a chopé une amende de 130 euros, hein, que j'ai payé parce que voilà, j'ai essayé de machiner tout, mais elle s'est fait traiter tous les noms de personnes violentes et tout. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe là, c'est quand même incroyable. Et ils se mettent là aussi. Parce que là, si vous allez là,
Là aussi, regardez, là vous avez un parking. Vous avez une sortie de parking qui est là. Vous voyez là, il y a les boîtes aux lettres. Ah ouais, là ils se mettent là et ils se mettent là. Là, là. Ils se mettent là, là, ils se mettent sur la bande verte et là, là. Et le problème, c'est que, ben voilà. Et quand les voitures veulent rentrer là-dedans, eh ben c'est coincé, c'est cuit. Voilà. Et ce que je tenais à dire, et je le répète, le respect, les mecs. Parce que si vous respectez pas, voilà, à un moment ou à un autre. Et le problème, il est, c'est que, je sais pas, vous qui allez boire un canon n'importe quoi, si on respectera pas votre femme, par exemple, pour un exemple, votre femme, elle est en voiture, elle va faire les courses à Leclerc. Et puis, il y a un connard, là, qui bug machin, et qui a pas de respect du tout, comment vous allez le comporter? Vous allez avoir les mains dans les poches. Première et dernière fois que je répète, parce que là, je crois qu'on va en avoir ras-le-bol. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, c'est que tout ce coin-là, c'est accidentogène, parce que c'est surtout accidentogène, et, je pense qu'il y a des places, je me souviens, mais le problème qui se passe, c'est que voilà, manque de place. Parce que là, quand ça a été pris, ça a sûrement été pris un lundi ou un dimanche. Mais vous venez là, le machin, c'est quand même incroyable. Incroyable. Voilà. Parce que les amis, et je vous dis à la prochaine, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Mais le respect, le respect, le respect. Parce que c'est ça qui va nous sauver. Et si vous manquez de respect, ça va amener des trucs, ça va déclencher des trucs à la con. Salut! Et surtout, ce que je vous ai dit, première et dernière fois. Hein. Salut, bye.